Bonjour Hélène. Bonjour Salem. Voilà, alors donc présente-toi en quelques mots. Alors je suis responsable de la bibliothèque Montesquieu. Je travaille en bibliothèque depuis environ 12 ans sur les deux bibliothèques de la ville, les bibliothèques du réseau. J'ai travaillé 10 ans à Condorcet. J'avais une responsable à ce moment-là qui m'a beaucoup appris et j'ai pris le poste à responsabilité à son départ. Très bien, donc alors quelles sont tes principales missions Hélène? Alors mes principales missions J'en ai plusieurs, mais on va dire l'encadrement de personnes, la mission de lecture publique sur le quartier. Ça, c'est une mission très importante parce que c'est un quartier, je pense, qui en a besoin. Et puis j'aime ça. Enfin, voilà, pour moi, c'est un nouveau défi. Et puis, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur à l'équipe, à toutes les trois, hein, pas qu'à moi, mais deux collègues et moi-même. Je peux dire que j'ai beaucoup de chance dans mon travail. Qu'est-ce que tu préfères? Quels sont les points que tu préfères dans ton travail? L'accueil du public. Je pense que je peux dire que ce que je préfère, c'est le contact avec les lecteurs. Donc apparemment également, tu es une liseuse, alors tu lis des contes, tu... Alors, je lis des histoires, je raconte des histoires, ça dépend. La différence, c'est que c'est avec livre ou sans livre. C'est-à-dire que la lecture, c'est avec livre, et le conte, c'est sans. Voilà. Alors moi, il y a deux choses auxquelles je tiens beaucoup. C'est la dimension de l'équipe, du travail en commun. Ça, c'est une chose, je pense, je ne suis pas la seule. Je pense que mes collègues sont vraiment là-dedans. Et la dimension vraiment d'être tournée vers les demandes des lecteurs. Pas de répondre à tout prix à ces demandes-là, mais d'être à l'écoute. Voilà, je pense que c'est vraiment une des missions principales de cette bibliothèque de quartier qui a cet accueil très particulier. Voilà, je pense que je peux dire ça. Je te remercie, Anna.